Yahoo, Bidimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 du manga Le Prix du Reste de ma Vie. Donc, le manga Le Prix du Reste de ma Vie est une série terminée en 3 tomes au Japon. On vient d'avoir le tome 1. Donc nous sommes sur un shonen des éditions Del Corton Cam dans leur nouvelle collection avec le petit bandeau gris Moonlight Manga. Oui, parce qu'apparemment il y a Moonlight aussi en version light novel, si je dis pas de bêtises. J'ai droit à un joker? Je suis pas sûre. Toujours est-il, on est donc sur un manga qui est dans le genre aventure et drame. Vérification ici. Toujours est-il, nous sommes sur une série qui est H conseillé aux 14 ans et plus. Et pour ce qui est des mangaka au scénario, nous avons Sugaru Miyaki. Et pour les illustrations, pardon, on a Suichi Taguchi. Voilà. Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Et je te dirais déjà que dans l'ensemble, j'adore les illustrations. Même si je comprends pas trop les triangles en fait qu'il y a de rouge sur la couverture. Je vois pas trop ce que ça vient faire là. On a l'image en version zoomée à l'arrière. Je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'aime, c'est aussi que, du coup, le résumé suit un peu les courbes du dessin. Ça va pas dessus, etc. J'aime bien, c'est qu'on a certains mots vraiment à retenir qui sont dans une autre couleur que le blanc. Donc, je trouve ça sympa d'avoir fait deux couleurs, en fait. Et on a aussi l'information que voici la version manga du célèbre roman de Sugaru Miyaki. Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Mais je trouve ça bizarre que ça s'appelle comme ça. Alors que là, on suit pas, on n'a pas 3 jours, on a 3 mois. Donc, je ne comprends pas plus. Après, je me suis pas renseignée. Je t'avoue, je me suis pas renseignée là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le résumé. Après, que ce soit d'un roman ou quoi, je m'en fous un petit peu. Toujours est-il, ça, j'adore. Ensuite, quand on enlève la jaquette, on a l'illustration. Mais en fait... On a le bas de l'illustration, donc c'est pas très très intéressant, je trouve. Je vois pas l'intérêt. Là, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, quand on enlève la jaquette, par contre, je voulais te montrer. Donc, on a un mot de l'auteur comme d'hab. Et ici, on a la pub pour 2 autres œuvres des éditions Del Corton Cam qui sont sorties. Parasite amoureux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Et celui-ci, qui est quoi le titre ? Derrière le ciel gris que j'ai tenté, et je te le dis clairement, hein, en mode esprit manga, j'achète ou pas, parce que je l'ai testé en estrait, celui-là aussi, je n'ai pas du tout accroché. Voilà, j'ai lu l'estrait et j'ai dit non, toi c'est mort, c'est clairement mort, je ne te lirai pas, alors que celui-ci, bah, je suis repartie avec. Voilà, donc tout est dit. Ensuite, au niveau du manga... On a une page blanche à l'entrée, une page d'accueil assez sobre, très sobre même. J'ai du mal quand c'est trop sobre comme ça. Et on a le sommaire qui est plutôt sympa. Après, je comprends pas trop le choix des illustrations mis au-dessus, mais bon. Voilà, et on commence directement le manga. Pour ce qui est de à la fin du manga, ce que j'aime, c'est qu'on a un beau message de l'auteur. Avec, tu vois, un peu plus quand même en texte et tout. Je trouve ça super sympa d'avoir un si beau truc. Et après, retrouver toutes les œuvres de Sugaru Miyaki. Hein, ça serait le même... Ouais, en fait, toutes les œuvres qui sont dans la collection de Moonlight sont de Sugaru Miyaki. Ok, bah, c'est cool ça. Ça, c'est cool parce que franchement, j'ai bien aimé... Enfin, voilà, tu vas avoir mon avis après. Je trouve ça cool. Alors, on a du coup... La pub comme ça, avec carrément le résumé et tout ça, je trouve ça sympa parce que ça fait penser aux vieux mangas où on avait justement la pub à la fin d'autres mangas. Donc, Parasite amoureux version justement light novel parce qu'ils ont fait les 2 versions. Et là, on a le manga du coup que je t'ai présenté, donc derrière le ciel gris. Lui, j'ai pas du tout accroché. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité de dessin, on va pas se mentir, la qualité de dessin n'est pas... oufissime, et voici tout simplement la note. Pour ce qui est de mon avis, par contre, sur le manga, je vais te dire tout simplement une chose que je pense que voilà, hein, si tu me connais un minimum, tu te doutes. Mais n'as-tu jamais rêvé de pouvoir vendre toutes tes années de vie qui te restent contre un peu d'argent et pouvoir faire des choses assez cool avec cet argent ?
Donc, quand j'ai lu le résumé et j'ai vu les premières pages et qu'on proposait du coup de l'argent contre ces années de vie, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa et je me suis beaucoup intéressée parce que forcément, c'est un sujet très clairement qui m'intéresserait. Honnêtement, je t'avoue que si je trouvais aussi cette fameuse boutique, je le ferais. Donc, alors, je sais que c'est plus un manga du coup qui pourrait peut-être plus facilement parler aux personnes qui ont eu une vie, un passé, qui ont actuellement une vie assez triste, assez fade, etc. Mais je pense aussi que pour les personnes qui ne sont pas comme moi, on va dire, qui ont une vie toute rose, parce que je pense à certaines personnes que je connais qui ont une vie plutôt rose par rapport à moi qui... Alors je t'explique. Pour moi, en fait, quand tu vas super bien, tu as une vie rose, rose vif. Après, tu descends dans du rose clair, tu te rapproches du blanc. Le blanc, t'es assez... Voilà. Et quand tu passes au gris clair, là, tu commences à aller dans les ténèbres. Voilà. C'est comme le coup de la note, en fait, sur 20, où je demande justement à des gens, des fois, d'évaluer leur vie sur 20, et donc de me dire une note sur 20. Si tu es à 0 ou 2, 3, tu vois, tu es dans le rose très, très clair à blanc. Si tu es en dessous de 0, en fait, tu es donc dans des gris clairs, et moi, je suis à moins 1000. Oui, après, les paliers, moi, là, ils sont très violents. Hein. Ils font très très mal et ils sont très très violents. Mais toujours est-il que moi, je suis à moins 1000. J'ai jamais été aussi bonne au niveau de ma dépression. Voilà, donc, même quand j'ai fait ma TS, j'étais pas aussi bas. Voilà. Et donc, du coup, voilà, donc, c'est ce que je visualise. Donc, pour des personnes aussi qui ont une vie plutôt dans les tons rosés, je trouve que c'est peut-être aussi intéressant parce que ça permet aussi peut-être de comprendre des personnes comme moi qui seraient prêtes à tout vendre en fait, contre même une mauvaise petite somme, hein, parce que le gars qu'on suit a une. Le gars qu'on suit en fait n'a pas eu une somme non plus astronomique, etc. Parce que justement, ils évaluent par rapport à ce qu'aurait été ta vie. Donc je vais te reprendre au tout début, je vais te résumer vite fait l'histoire pour que tu puisses comprendre. On suit les aventures d'un jeune homme qui apparemment a eu une vie merdique et il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de ça, il avait promis à une jeune fille qui était donc son amie de l'époque, écoute, dans 10 ans à peu près qu'on aura tel âge, bah, si tu es encore célibataire et je suis encore célibataire, mettons-nous ensemble. Ça, c'est le grand classique que l'on connaît. Sauf qu'on le retrouve donc version adulte et qui a une vie merdique, un emploi merdique, il est pas terrible, c'est-à-dire qu'il se casse souvent la gueule et des trucs comme ça, et donc il est tout en train de s'excuser auprès des clients et autres. Et il est obligé de tout revendre, ses CD, ses livres, etc., pour pouvoir survivre financièrement. Et c'est au moment en fait d'aller vendre ses livres, parce qu'il va d'abord au livre et après il ira au CD. Et eh ben, le libraire lui propose du coup une boutique, il lui parle d'une boutique qui rachèterait la vie. Ça rachète donc tes années de vie et à un certain prix selon ce que ton futur aurait été. Là-dessus, il n'y croit pas trop trop et il reste sceptique et il va à la boutique de CD. Là-dessus, il vend ses CD et la femme va lui dire la même chose. Donc sans le vouloir réellement, il se rendra donc à cette fameuse boutique et un peu par curiosité, il va demander en fait quelle somme il pourrait en tirer des années qui lui restent à vivre. Donc la femme qui a l'espèce de secrétaire qu'il a nous explique en fait qu'ils évaluent en fait ta vie actuelle et surtout ils savent en fait ce qui va se passer dans ton futur et ils évaluent du coup par rapport à ta vie ce qu'elle vaut et donc à quel prix la racheter. Et donc c'est ça qu'on va suivre dans ce manga. Alors ça c'est vraiment le premier chapitre. Et après on découvre donc que ce jeune homme en fait c'est dans le règlement. Il va devoir se farcir en fait la secrétaire H24 avec lui. Tout simplement parce qu'ils font ça au cas où que les gens justement quand il leur reste un peu moins d'un an à vivre, ils commencent à péter des câbles et à faire n'importe quoi. Et en fait c'est pas intéressant pour eux non plus que tu crèves tout seul. Que tu décides toi-même de crever du coup au bout de quelques jours alors que tu avais encore un an, par exemple. Et donc c'est la fameuse jeune fille que l'on retrouve sur la couverture avant et arrière. J'ai trouvé ça un petit peu particulier d'avoir du coup cette fille sur la couverture et de ne pas avoir le jeune homme parce que je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus parlant de voir un mec qui faisait vraiment pas au bout de sa vie, de je sais pas comment expliquer. C'est moi dans cette phrase a un autre sens que je pense que toi tu entendrais. C'est-à-dire que vraiment que le gars, bah, voilà, il a plus rien, il a pas, c'est devenu une espèce de déchet, voilà, il a.
Enfin, en plus, son style vestimentaire, on voit bien que c'est totalement négligé. Là, si tu regardes bien. Alors, si jamais je vois que c'est pas assez net au niveau de l'image, je ferai un zoom face stable. Mais on voit qu'il a un pantalon, une jambe retroussée, l'autre jambe, tu sais, où tu as tout le pantalon, et l'autre jambe où ça a été retroussé. Tu vois le look complètement négligé avec un simple t-shirt blanc, un simple pantalon de survêtement. Là, je voudrais que tu vois ici, en fait. Voilà. Tu vois, on voit vraiment qu'il a un look totalement négligé, etc. Et que, bah justement, des fois, quand tu es un point assez bas, tu finis par ne même plus prendre soin de toi, même plus le temps, le truc de faire attention à toi. Moi, tu vas te dire, voilà, mais honnêtement, ça, c'est uniquement pour YouTube. Et quand c'est pour moi-même, je suis en mode totalement négligé. Je porte des t-shirts taille triple XL alors que je suis sur un L maintenant le dimanche pour être en mode détente, plus repos et tout ça. Et je suis capable de sortir les cheveux pas attachés, etc. Enfin, pas bien coiffés, pas lissés, etc. Alors que là, je fais attention à ce que tout soit parfait. Mais le vrai moi est capable de sortir les cheveux limite fraîchement lavés, donc totalement frisés, enfin voilà, pas lisses et tout ça, les cheveux attachés en mode OSEF total, etc. Et d'aller avec un survêtement à moitié déchiqueté parce que c'est le pantalon pour aller marcher dans la forêt. Tu vois le genre. Avec un sweat, c'est mon sweat violet, mais bon, maintenant c'est devenu mon sweat pour la forêt, qui est ok pour être déchiqueté éventuellement ou pour qu'il y ait des trous éventuellement faits par Pika. Voilà. Donc, c'est un manga au niveau du premier volume. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. J'ai adoré la lecture. J'ai adoré les deux personnages. Ce que j'aime en plus, c'est que on nous apprend certaines choses au fur et à mesure. On n'a pas tout dès le début. Donc, au tout début, on nous explique justement la vie du jeune homme. On nous explique un peu ses erreurs, etc. On va à la fin, vu que la jeune fille, du coup, travaille pour la société qui a arraché sa vie. À la fin, elle va être sympa parce qu'elle va nous dire, du coup, je vais vous... Voilà. La dernière page, on passe sur un suspect de ouf. Mais je vais vous résumer les 6 dernières années sans vous. Donc, avec la jeune fille, du coup, dont il avait fait la promesse de retrouver plus tard. Donc voilà, en ce qui concerne ce manga, j'ai vraiment trouvé très intéressant. Personnellement, du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans le scénario, forcément. Mais en soi, je trouve quand même que l'histoire est bien gérée. Je ne me suis pas laissée influencer juste parce que c'est un truc que je kiffe et que je rêverais de faire. Parce que moi, honnêtement, tu me proposerais de revendre toutes mes années de vie, sauf une journée, et de pouvoir la passer avec les personnes qui sont mortes. Surtout que maintenant, en plus, il y a Pandy en plus. Et dedans, crois-moi, je ferai. Et donc, j'ai vraiment adoré cette œuvre. Je te fais un premier tome, en fait, parce que j'ai peur que ce titre... Personnellement, j'ai vraiment eu envie, en fait, de présenter ce titre, ce premier tome, déjà parce que le deuxième sort dans très longtemps, et que j'avais peur, en fait, que vous passiez à côté les gens... C'est pas dit méchamment, sachez-le. Mais j'avais peur que les gens rosses, du coup, passe à côté de ce titre en se disant que de toute façon ça ne les concernait pas ou des trucs assez similaires. Et moi personnellement en tant que dépressive depuis pas mal d'années, je le rappelle au cas où pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'ai été voir ma première psy à 7 ans et ça a déjà disjoncté à ma vie, a disjoncté déjà à 5 ans. Et j'aimerais justement que des personnes qui ont... si vous réfléchissez à quelle couleur est votre vie. Si vous pensez que vous êtes dans les au-dessus de zéro, j'aimerais que vous lisiez ce livre pour permettre peut-être de comprendre des gens comme moi. Alors oui, lui, il n'a pas réellement de dépression. Il a juste une vie fade et il n'a pas subi des choses comme moi j'ai subi. Par exemple, je te remets ma vidéo sur ma dépression si tu ne me connais pas suffisamment ou tu savais pas que j'avais fait une vidéo sur ma dépression. Je te mets un lien en i ou en barre d'infos pour mieux me connaître. Mais... Justement, peut-être que c'est un des mangas qui permettrait que certaines personnes me comprennent quand je dis justement que j'ai créé une deadline. Donc voilà, j'arrive pas à exprimer plus. Sachez juste que j'ai, en restant neutre, en restant réellement neutre, j'ai surkiffé cette œuvre. Et j'aimerais vraiment que beaucoup de gens la lisent. Et si vous la lisez sur les réseaux sociaux, identifiez-moi. Vous savez, j'ai tous les réseaux sociaux possibles. Identifiez-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez lu après cette vidéo.
Voilà, c'est tout ce que je dirais de plus. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, pourquoi pas. Non, évite de partager parce que j'ai quand même pleuré. Voilà. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas si tu veux me dire justement comment toi tu vois ta vie au niveau du chiffre, des couleurs, etc. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie quand même pas de sourire, quoi qu'il arrive. Bye!